Une brocante à domicile, c'était simplement une question de sécurité au niveau de notre fête de Saint-Gilles avec son vide-grenier qu'on fait habituellement derrière la mairie. Donc l'idée est venue de avec tous les gestes barrières et le coronavirus qu'on a, c'était pas possible de mettre tout le monde les uns sur les autres. Donc on a décidé de faire ce qu'on appelle une brocante à domicile, c'est-à-dire que les particuliers, enfin les deux piscines, ouvrent leur maison et mettent en exposition à l'intérieur de chez eux leur vie de maison, leur vie de grenier, voilà. Ils ont ouvert comme leur porte et ils n'ont pas été très 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 méfiants. Non, parce qu'en fin de compte, ils sont juste bonjour devant leur comment bonjour. Ils sont juste devant leur porte. Hein. Ils ouvrent pas non plus leur jardin ou leur maison. Hein. C'est... Les gestes barrières, je mets du spray pour éviter. Oui. Voilà. Très bien. Voilà comme ça. Alors, comment vous êtes arrivé ici dans ce petit village qui s'appelle Pessine? Bon, alors d'abord, il faut savoir que nous résidons à Médy, donc Pessine est voisin quand même, et il faut savoir que nous sommes des adeptes de brocante, pour chiner, pour découvrir, etc. Et nous sommes abonnés à un petit agenda des brocantes. Parfait. C'est propre. Bravo à tous les participants, et que de choix de bons produits, et que de facilité de petites négociations, mais néanmoins, il faut recommencer. D'abord, un, c'est très amusant de découvrir, et deux, votre village, on va parler de vous. Ça... Bonjour Patrick. Bonjour. Alors, je m'aperçois que vous avez fait des emplettes. Oui, un petit peu. Donc une canne à pêche, des jeux mécano, des bouchons de champagne. Regardez, un truc tout bête. Un bol banania et puis bon, c'est tout. Hein. Voilà, donc c'est un petit peu le jeu de piste. Oui. Ce que j'aime justement de cette fête-là, c'est qu'on est tranquille, on est peinard, on se balade, on gère comme on veut. Dans la fête, celle qu'elle est faite actuellement, avec les gens qui exposent chez eux. Vous venez donc des Hauts-de-France. Cette brocante, elle est un petit peu atypique. Oui, je ne m'attendais pas à une brocante comme ça, mais je trouve ça très, très, très sympa. Très sympa. Comment vous le ressentez, cette brocante? Ben, très à l'aise. Ça permet de discuter avec les gens. Les gens sont très ouverts. Vive la brocante de Pessine! Merci.